Alors, on est venu ce matin pour participer au forum des entreprises. Ça vient à son heure parce que ça nous permet, nous, centre de formation, de faire voir, de montrer une grande visibilité de nos modules de formation. Et le centre de formation insertion est un centre de formation sous-régional. Au Sénégal, nous accueillons les personnels des entreprises, des étudiants. Et on a des modules variés. C'est-à-dire, la sécurité de l'entreprise requiert des formations diplômantes en matière de sécurité incendie. C'est ainsi qu'on a un premier module qu'on appelle le SIAP 1, c'est-à-dire le service de sécurité incendie, assistance à personne, le SIAP qui correspond à l'agent de sécurité. Il y a le SIAP 2 au chef d'équipe et le SIAP 3 au chef de service, chef de service sécurité incendie. On a aussi d'autres modules comme l'équipier de première intervention, l'habilitation électrique A0B0 et on a aussi le sauveteur secouriste du travail. C'est-à-dire, tous ces modules-là, en finalité, concourent à protéger les travailleurs, à protéger, d'une manière générale, toutes les personnes victimes d'un accident, à assurer la protection aussi des biens. Quand on assure la protection des personnes dans l'entreprise ou dans la société, on assure aussi la protection des biens. Et aussi, dans une certaine mesure, assurer, faciliter un peu l'engagement des secours. Alors, ces modules-là, une fois que l'employé fait faire la formation à son personnel, il devient des employés qui sont aux normes, c'est-à-dire des employés possédant par devers eux des outils, des dispositions à juguler un sinistre quelque part dans l'incendie, quelque part dans l'entreprise, à protéger le patrimoine de l'entreprise et à assurer la sécurité des biens. Voilà, en gros, c'est ça.